Mes amis, soyez les bienvenus dans ce stream ou dans cette vidéo sur Mercredi Making. Aujourd'hui, nous allons donc continuer à travailler sur Solarus. Et je suis en vocal avec Bimbin et peut-être bientôt avec d'autres membres de l'équipe de Solarus et ou Zelda Force. Alors, salut Bimbin. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Christopho. J'espère que vous nous entendez bien et que le volume est OK. Dites-nous dans le chat s'il y a des problèmes. En tout cas, oui, bonne année Bimbin et bonne année à tous. Meilleurs vœux à tous, en espérant que l'année 2021 sera meilleure que l'année 2020. Cryptexus, il dit que c'est OK, donc on est bon, je pense. Est-ce qu'il y a moyen dans Discord pour qu'on n'entende plus les bruits de Discord et qu'on n'entende que le chat? Je pense que comme ça devrait être bon. J'ai mis en ne pas déranger, on va voir. Ok, alors de mon côté, je vais bosser sur le moteur. Un peu la suite de la dernière fois où j'avais créé cette. Continué à créer cette nouvelle API de son. Ah On ouais, peut tu jouer refais une un nouvelle son appui de son. Ah. et l'interrompre avant qu'il soit fini. Oh, tu rigoles. C'est la nouveauté, c'est sur ça que C'est je juste. bosse depuis 2 ou 3 streams. Ah, ça peut être intéressant pour le projet là, putain. Ouais, pour beaucoup de projets, je pense. Oh putain, trop bien. C'est vrai que c'était un peu minimaliste jusqu'à maintenant. Très minimaliste, effectivement. Donc là, je vais ajouter encore la possibilité de mettre en pause un son provisoirement et de le reprendre après. Et après, je ferai la doc de tout ça. Le plus chiant. Alors, donc je vais ouvrir Sound API. Donc j'ai créé des méthodes. Create, play, stop. Je me demande aussi si je vais pas faire des événements pour des événements qui te préviennent quand un son commence à être joué, par exemple. Ah, ça peut être trop trop bien. Ben, Ça t'aurait quand intéressé dans dans les l'Episode cinématiques, Dream. tout ça. Par exemple, tu peux intercepter le son joué par le moteur et puis tu peux l'arrêter, quoi. Ça Carrément. serait classe. Plutôt que d'avoir Je sais des pas, petits j'ai. sounds Voilà, ouais. partout. Donc on verra, On a fait ce qu'on a je pu. vais pas faire ça aujourd'hui, mais on verra. Peut-être un jour, peut-être bientôt. Donc je vais créer deux fonctions, isPosed et setPosed. Alors qu'il y a Mimi qui joue à côté, comme vous entendez certainement. Alors. Donc déjà, on va déclarer ces deux fonctions. IsPosed, setPosed. Quel accent. T'as vu, c'est magnifique. Hein? Donc. Ah, mais je peux enlever ça, j'ai réglé ce problème-là. Sound play, sound stop. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vais copier-coller le code de game is pause de set pause. Ça va être presque pareil. Vais remplacer game par sound. Alors,
Parce que là... Check sound, ça va renvoyer un... Un sound PTR. Donc ça va être sound, comme ça. Ça, c'est pas nécessaire. Bon, on va juste à lui à le booléen. Sound is paused. Pas très compliqué. D'ailleurs, celui-là, on peut dire qu'il est const. À peu près tout, il y a juste cette fonction isPaused qui n'existe pas. Et du coup, maman, toi tu bosses sur A Link to the Dream. Tout à fait, je teste ce que Vlag a fait dernièrement, notamment des boss. J'ai pas pu voir. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis le nez dans le projet. Ah oui, Phoenix, j'avais vu tes messages sur Discord. Merci pour toutes tes remarques. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Après, le message, il s'est perdu. Dans Sound. Ouais, voilà. Copywriter, se dire, je vais pouvoir faire ça ce soir, pourquoi pas. Ouais, on pourrait tout à fait faire un script qui met à jour les dates des copyrights. En même temps, c'est un script qui ferait une seule ligne. Juste un pauvre recherché remplacé en gros. Et donc dans sound on update. Non, dans sound update. C'est une fonction statique qui regarde tous les sons en cours. Je demande d'agiter tous les sons pas en cours. De lecture de mémoire, mais quid des sons en pause. Alors, normalement, les sons en pause. Ah oui, alors bonne remarque, eux, il faut pas les zigouiller. Que 4 statuts possibles, donc en fait si on a un son qui est en initial ou alors stopped, on le stop. Je pense pas qu'il puisse être en initial d'ailleurs dans cet endroit là. Ouais, très bonne remarque. De toute façon on va tester, on verra si ça marche. Je viens de voir cette fonction isPaused qui apparemment n'existe pas encore. Un peu bizarre d'avoir fait un setter sans getter, mais bon, on va corriger ça tout de suite. Allô, allô. Allô. Salut Olivier. Allô, allô. Bienvenue sur le vocal. Ah, t'as même mis la webcam. En direct, ce stream, Olivier... Ah, il nous entend pas. Il nous entend pas. Nous, on t'entend et on te voit. On l'entend. Est-ce que tu as mis... Il a pas mis son... Oui, je t'entends. Moi, j'ai mis mon t-shirt Solarus, d'ailleurs. On a alors, perdu New Vise. Est-ce qu'il y a un ease pause? Je suis pas sûr qu'il y ait... Je pense qu'il faut faire
source status. Voilà, faut faire ça. Pour le isPoz. Alors, donc on récupère le statut de la source. Et en fait. Bonjour Olivier, vous entendez? Ouais. M'entendez? Oui, ouais. On t'entend. Oui. On te voyait même tout à l'heure. C'est si cher, j'entends. 1, 2, 1, 2. 3, 4. 3, 4, 5. 3, 4. 36. Je n'entends rien. 24. 1, 2, 1, 2. 42. Voilà. On va encore écrire un commentaire très utile de notre côté. Alors du coup, faut savoir que les sons se mettent en pause automatiquement quand la fenêtre perd le focus. Est-ce que ça va tout casser d'ailleurs? Je pense que ça va tout casser. On devrait garder en mémoire si c'est mis en pause côté Lua. Ah mais 7 pos z c'est... Ah non. Il n'y a, plus qu'une seule source maintenant, c'est plus simple qu'avant. Ah, c'est quelqu'un bon. Oui. Ah ça y est, tu nous entends enfin. C'est Chris. Oui. Salut. On t'entendait très bien depuis le début. Allô, je mets la webcam s'il y a quelqu'un. Meilleur vœu. C'est qui parle? C'est Bimbin. Ah, c'est Bimbin. Et c'est Chris. Bah, bonne année. Ah, bonne année, bonne santé, tout le bonheur, plein de sous dans le porte-monnaie et tout. Bah, voilà. Tu es en direct sur mon stream en même temps. Hein. J'ai mis le vocal. Ah, on n'a pas de pognon alors. Ouais. Vas-y, je te souhaite plein de pognon. Alors, bon, bah, moi je vais me lancer sur. Sur une launcher. Cool. Ouais. Ça a été là le bug sur le site. Bah c'était pas vraiment un bug, hein. C'était En fait c'était un copier-coller que j'avais fait d'un truc en anglais en français. J'avais oublié de traduire les tags sur le jeu. Tu sais. Ah d'accord. Comme oui, c'est quoi déjà, c'était le langage et aussi le statut publié ou pas. D'accord. Faudrait que je regarde pour Vagrant, j'ai pas eu le temps encore. Ouais, il y a Hugo HHRomic qui est chaud pour regarder pour Docker aussi. Il me dit qu'il bosse à Docker, ah bah, taf. Et que du coup, il m'a dit qu'il regarde rien de ses jours. Du coup, très bien. C'est cool. On va pas embêter le public de Christofou avec ça. Et du coup, tu t'as vu, je sais pas si t'as vu, mais il y a HHRomic qui est en train de préparer un nouveau site pour la doc, juste sur la doc utilisateur. Carrément. Ouais, il a modifié le. Non, il a fait en fait, il a utilisé MKDocs. C'est un truc qui génère plus moderne. Un statique à partir de fichiers Markdown. Ouais, parce que ce qu'il y a actuellement, c'est assez archaïque quand même. Ouais, du coup, il a refait ça et il a utilisé. C'est déjà mieux moderne, que pas mal de docs, mais bon. Ah, oui. Du coup, on pensait, j'en ai parlé avec HHRomic et on pensait mettre les tutoriels dans la doc justement. Ça se fait souvent. Ah, donc on disait qu'on pourrait les...
Ah ouais, Sans faire de carrément, musique. mais vous... Eh, pourquoi pas, Ouais. écoute. Comme ça, toute la Tout est doc. possible. Ouais, toute la doc sur Solarus, on la met tout au même endroit, puis le site il servira pour les news et pour la bibliothèque de jeu. Il y a les solutions aussi. Et les solutions bah, qui sont associées au jeu du coup. Ouais. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, alors on fait comment? Tout le monde partage son écran et puis c'est parti, c'est ça? Non, Bah là, moi je je partage partage. déjà mon écran avec le stream. Je vais peut-être Moi cacher je partage le rien du tout. studio. Après, si vous avez des trucs à montrer, que je puisse montrer, Alors, y a pas de Solarus souci. Publisher. J'ai fait un réfactor là pour les derniers jours. Parce qu'en fait, à mon travail, on fait une appli QML aussi. Donc j'ai appris plein de trucs. Enfin, j'ai surtout à. Surtout dû la faire bien proprement, comme c'était pour le boulot. Et Ouais. donc maintenant, tout ce que j'ai fait super proprement, bah, en fait, je le rapatrie dans Solarus. Notamment toute l'organisation et tout. Donc, C'est à ça que La sert le classe. boulot. Sauf que du coup, bah, j'ai fait un refactor de 180 fi 186 fichiers Ouais. hier. Et là, j'en ai fait un truc de 76 hier. Là. Pouh, j'en peux plus. C'est long, quoi. Faire en Classe. sorte qu'il n'y a rien qui pète à chaque fois. Ouais, moi je suis submergé de boulot. Alors. Les trucs à côté, c'est un peu chaud. En ce moment, je suis en train de préparer un déménagement aussi, donc ça Ah, va tu être proche. déménages enfin en Lorraine, ça y est? Non, Comme tout le monde. non, non, non. Je reste en région parisienne, mais je sais pas où encore. Une Tu ville. quittes ton coloc, c'est ça? Ouais, on arrête la coloc. Ah, ça y est. Tu vas pouvoir te marier, avoir des enfants, un chien et tout. Ouais, peut-être un jour. Très bien. Alors, je vais faire un peu de C++ aujourd'hui. Amuse-toi bien. Alors. Là, tu vas écouter sur ALTTD. Ah ben oui, moi non. Allô? Salut, moi. Lui, il fait de la musique. Ouais, on t'entend. Ouais, moi je suis sur LinkedIn Doom, je regarde les boss de Moi, je fais Monsieur du Blague et C++ puis aussi. Crit. Je fais Puis Fissou, j'améliore l'API il des sons regarde le son. pour que tu puisses Ouais. arrêter un son en cours de Non, route et mettre en pause un son. le Truc turn. qui manque dans LinkedIn Doom, justement, c'est bien. Salut, Mostarer, est-ce que je travaille à 100% dans Solarus? Non, c'est Aujourd'hui, je vais juste tenter sur un mon temps truc que libre. je n'ai jamais tenté J'ai avant. un boulot à côté où je fais Bien. du C++, mais qui n'a rien à voir avec les jeux. Un Oui, parce que truc. Solarus, c'est pas rentable. Juste petite Non, précision. c'est absolument pas rentable, mais ça va devenir rentable un jour, peut-être. Ouais. Faut bien qu'on mange. Bah, en fait, faudra voir le jeu de Max, s'il a du succès ou pas. Et Parce que c'est parti, potentiellement, hein. C'est un jeu qui s'il a du il succès. buzz bien. Bah, faut se lancer quoi. C'est la preuve que On ça va peut devenir marcher riche. quoi. Bah pas nous directement, parce que ça va être Max qui va toucher l'argent. Ah merde. Mais il va faire un don en tout cas, je crois. Mais bon, ça va pas être un gros don, ça va surtout le don, il va surtout aller dans les poches de l'association. Si on voudrait gagner des sous avec Solarus, il faudrait créer, enfin faire un jeu en tant qu'une entreprise externe qui utilise Solarus quoi. Ouais, c'est pas trop le but. des détournements de fonds. Est-ce que Pourtant, le jeu est Chris, déjà tu sorti? l'entends Oh, pas? j'ai rien. Je l'entends pas, Chris. J'ai l'impression qu'il parle, mais je vois du verre autour de son Vous truc. m'entendez pas? Ah si, on t'entend. On Ok. entend Chris ou pas? Bah, moi je l'entends très bien, moi j'entends tout le monde parfaitement. Moi Bah aussi, et moi pourtant j'entends que toi. je suis sourd. Hein. J'entends que toi. Ben ouais, j'arrête pas de parler, mais. Donc oui, Mostarer, le Ah. jeu Ocean's Heart, non, il n'est pas encore sorti. Il va Ah, sortir sur Steam Discord le a 21 planté. janvier. La classe. Il vient juste d'être annoncé la date de sortie, 21 janvier. Allô, allô. Oui, Olivier. Ouais, que Ouais, je Olivier, ouais. t'entends très Mais je bien. pense que c'est chez toi le problème. Ouais. Et moi qui me dis que j'ai des connexions de merde, j'ai l'impression que chez Olivier c'est pas mal. Ça a l'air. Ah ouais, mais c'est normal, il entend que les Vosgiens en fait.
suis toujours en attente de la fibre optique, quoi. J'essaie de me connecter sur Steam pour voir la page de Ocean's Heart pour la partager avec le chat. Ah, j'entends Chris. Yes. Ah, ouais, c'est bon, tu entends. Youhou. Allô, Bambin. T'entends tout le monde là, c'est bon? J'entends plus Bambin. Oh là là, c'est. C'est que. C'est ça marche que par, par une personne. Tu utilises bon, la version web ou la version. La version desktop web. De l'installer. Essaye la version client lourd, elle marche mieux. Ouais. Bien que j'ai eu des problèmes avec la version web. Allez, j'installe la version lourde. Ah, j'aime pas ça, mais tant pis. Il fait du one to one. Client lourd, au final, il est plus léger. Mais... Maintenant, on appelle client lourd les applications desktop, mais elles sont devenues plus légères que les sites web. Ah bah, c'est pas dur. Je me déconnecte. Ouais, mais les trucs sur les sites web, c'est toujours scabreux, ces trucs-là, quoi. Alors, Mostarer, pour répondre à ta question, il n'y a pas de prix encore annoncé. Mais ça devrait pas être bien cher. Je vais partager la page dans le chat. Si j'y arrive. Ah oui, il est là, le chat. Vous pouvez déjà ajouter le jeu à votre wishlist. Moi, c'est ce que j'ai fait. 1, 2, ouais. 3, 4. Tu m'entends là, jeune homme? Ah bah. Ouais, Chris. Mais c'est bizarre. Tu nous entends? Ah, j'entends Chris, c'est bon. Ah, j'entends Bama. Bama, il s'est raclé la gorge. Ok, donc ça va. Raclement de gorge de Bama, tout va bien. T'entends tout le monde, c'est bon. Ok. Ouais. Parfait. Bon bah c'est. Dis donc, c'est compliqué votre truc là. Ouais. Non mais c'est ce que je disais, c'est que maintenant les clients lourds entre guillemets, c'est des clients web qui sont devenus hyper lourds et qui marchent. Ça marche pas du tout. Ouais bah ouais. Non mais c'est le bordel. Aujourd'hui, je vais faire un truc pour optimiser un truc de QML. Je vais faire le code en C++ parce que QML c'est beaucoup trop lent. J'ai jamais touché à QML encore, je connais pas du tout. C'est pas trop lent, mais il y a un vieux bug bizarre. Attendez, Chris, j'ai fait un réfacteur de bourrin les jours d'avant là. Oh là là. Ça m'a presque dégoûté. Ah oui, dans le launcher? Ouais, ça m'a presque dégoûté de le finir le launcher, mais heureusement qu'il est fini. Ouais. j'ai changé 186 fichiers. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, j'en ai bougé 176. Ah d'accord. Faire les passes, les inclus, les namespaces et tout, il n'y avait plus rien qui marchait. Ouais, c'est le ça, genre de truc tellement relou. Là, c'est tout propre, c'est tout bien rangé. Tout mis dans Solarus, launcher pour C++, point launcher pour QML. Parfait. Tout propre. Cool hein. Ah ça y est, j'arrive enfin à voir le stream du Chris. J'arrivais pas jusqu'à maintenant. Ah bah décidément ce soir c'est compliqué. Et du coup le stream il est sur... Non mais c'est le Covid là, il fout la merde sur le net, là c'est pas possible quoi, c'est connexion de merde là. Et du coup le stream il est sur Twitch, c'est ça? Ouais. Bon bah je vais voir alors. Alors. Tout à fait. On n'est pas prêt de faire des hackathons hein, avec tout ça. Mmh. Et ouais. Des hackathons IRL, ouais, ça va être compliqué. Tu m'étonnes. C'est quoi ça? C'est tout qui lance une vidéo quand j'arrive dessus. Je vais devoir couper l'audio de Chris. Ah, c'est bon. Eh bien, on est déjà mercredi. Oh là là. Eh ouais, c'est bien. On a jamais été aussi près du week-end. Vivement le week-end. Ah là là. Vivement Noël 2021. De mon côté, je fais en sorte qu'on puisse mettre en pause un son.
Mais sans que le système qui met déjà en pause les sons quand la fenêtre perd le focus n'interfère. Donc là, il faut que je dise set post by script en fait. Parce que du point de vue l'UA, on utilise ça. Fait. Ok, comme ça a bien marché, on a les deux infos indépendantes. Et cette fonction va juste appeler l'autre. Ah bah non, justement, faut faire gaffe. Ouais, Phoenix, pas tant que ça. Le seul truc que j'ai déjà fait qui ressemble beaucoup à ça dans Solarus, c'est le fait que tu puisses suspendre une partie depuis un script. Tu fais game set suspended. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent aussi suspendre une partie. Il n'y a pas que les scripts. Il y a par exemple le fait que tu sois en train d'afficher un dialogue, le fait qu'il y ait une transition en train d'être jouée, et ainsi de suite. Donc là, c'est un peu pareil. Donc set posed by script. Je sais pas comment coder ce truc. Pause all, c'est sûr que ça va tous les mettre en pause, ça c'est clair. Et resume all, on les remet tous en marche, sauf ceux qui étaient posés par un script. Ouais, ça c'est vrai. Pause play. Et donc ici, s'il n'est pas encore en pause, bah, en fait, on peut juste faire cette pause z false, enfin if pause by script. Set posed true, else set posed false, c'est là qu'il faut faire attention en fait. Si on appelle set posed by script false alors qu'on est
Déjà, alors qu'on est en pause à cause du système. Peut-être que je retienne les deux alors. Je pense que j'ai besoin d'un deuxième booléen, hein, j'arrive pas à le coder sinon. Ou alors, vu que c'est global. On va le mettre en global, ce sera peut-être un peu plus clair. Peut-être une fonction update post. Pourquoi pose all et resume all, ils sont pas à côté des autres? Après, j'ai plus qu'à faire cette fonction. Poses or resumes the sound depending on current pose settings. Ok, donc si on est posé soit par un script, soit par le système, alors cette posed false true avec ce magnifique accent
fait, on va faire juste cette pause Z suivie de cette expression booléenne. Ça sera plus simple. Est-ce que c'est une state machine? C'est pas vraiment une state. Enfin, si, mais elle est pas là, la machine à état. La machine à état, c'est l'état du son. Et il y a quatre états. Il y a quatre états possibles. Il y a initial, playing, paused ou stopped. Donc là, j'ai écrit des transitions vers l'état pause. Et depuis l'état pause. Donc ouais, c'est un peu ça. C'est une machine à état. On est toujours dans exactement un seul des quatre états. Pour chaque son. Et tu peux avoir deux sons. Tu peux avoir deux objets sons maintenant, depuis le dernier stream, qui jouent le même son, mais qui ont deux états différents. C'est en train de compiler, ça rame à mort. Je sais pas comment le stream fait pour survivre quand je compile avec tous les processus là. Plus Discord. Le stream se porte plus bien. Ah bon, attends. Je vais arrêter de compiler en parallèle. Non, ça me dit image perdue 0. Mais peut-être qu'il a eu du mal à encoder la vidéo quand même. Alors. Je vais compiler dans l'autre fenêtre, mais avec un seul processus. C'est possible, Phoenix. Alors, on est la compilation. C'est bon, c'est fini. Ah, bah ça y est, salut Kojibou. Vous m'entendiez plus ? Non, moi, je suis toujours entendu. Ah bon ? Ok. Moi, je disais plus rien, là, depuis... Je t'entends trop. Je pense que ça ne marche pas. J'entends plus aucun son. J'ai les musiques, mais j'ai plus les sons.
False, false, donc ça c'est bon. Ok, ça y est, j'ai tout cassé, les gars. Ouais. Pouvoir faire des jeux silencieux, c'est bien. Bon, je pourrais pas rester très tard ce soir, mais je voudrais au moins finir ça, ça serait cool. Pas de problème, cher ami. Alors, est-ce que ça pile chez moi? Suspense, suspense. Bon, comment j'ai fait pour tout casser? J'ai pourtant pas changé grand chose. Tiens, j'ai pas oublié un truc au fait. Et ben. Non, c'est bon. Changer un truc dans Update Playing, c'est peut-être ça. En fait, je voulais dire si le statut est, si le statut était I'll stop, mais ça sert à quoi ce truc en fait? Si on n'est pas playing, on fait stop source. Ouais, c'est à dire que ça n'a aucun effet et ça est important. Ok, et en fait, je voulais plutôt dire if status égal stopped. Ah, c'est bon, c'est revenu. C'est réparé. Alors, on va créer un petit son. On va essayer de le mettre en pause. Ah, j'ai une erreur qui s'affiche. Mais ça marche.
contre, quand je fais false, il revient au début. Ça, c'est pas normal. Ok. Peut-être qu'il faut pas faire le source play quand il est déjà playing, parce que ça le recommence à zéro. Son. Play, ça c'est bon. Set post false n'a aucun effet. Ah, je crois que ça a marché là. En fait, play c'est équivalent à set post false finalement. Là, j'ai mis en pause. On a une erreur qui s'affiche quand on tente de le mettre en pause alors qu'il est déjà arrêté. Un peu normal finalement. En fait, on va devoir récupérer le statut quand même. Si on est playing, on fait ça, sinon on n'a rien à faire en fait. J'ai aussi une erreur qui s'affiche si je fais set pause de true alors qu'on n'est pas en train de jouer le son. J'ai toujours l'erreur après. En fait, c'est une erreur qui s'affiche. D'où elle sort cette erreur? Fail to fill audio buffer, machin. Que ça fait mon truc.
Eh ouais. C'est encore un truc qui concerne que les musiques et pas les sons. Ah, faut que je vérifie aussi que la source existe, évidemment. Hey, salut à Kadrim. Oh là, j'ai raté plein de commentaires. On ne voit pas le bas des consoles de retour. Quelle console de retour? Ouais, donc le. Bah oui, mais non. Ah si, le truc c'est que je fais quand même un get status, c'est ça qui va pas. Ça provoque une erreur dans les musiques, mais c'est juste parce que l'erreur a lieu dans les sons, mais je l'attrape pas. L'erreur, elle a lieu quand j'appelle cette fonction sur une source qui n'existe plus. J'ai déjà détruite en fait quand le son s'est terminé. Faut juste ignorer si le son est pas en train, soit pas encore commencé, soit déjà fini, j'ignore. Ah, t'as raison, quand je fais ça. Ah oui, j'avais pas pensé, j'ai mon décor de stream qui cache la seule ligne, la ligne où je suis en train de taper les commandes. Ok, j'essaierai d'y penser, merci. Alors, si je crée un son et que je fais cette pause Z, là, il va ignorer silencieusement, mais il va quand même. Enfin, oui, il va l'ignorer silencieusement et quand je vais faire set played, enfin play, de toute façon c'est équivalent à set post false, donc peu importe la valeur que ça avait avant, on va l'entendre. Ok, c'est bon. Moi ça marche. Cool. On va pouvoir aller se coucher. Ouais, c'est déjà 1 heure que je stream. Commiter ça. Donc, par exemple, si je mets ma console comme ça, j'ai qu'à pas la mettre en plein écran, puis c'est tout. Dirait qu'il y a Mimi qui est en train de perdre. On la reconnaît bien là. Phoenix dit que Vous avez fait Mimi est quoi? en PLS. Vous avez fait un nouvel an Solaris cette année? Non. Non, non, J'allais en j'ai faire un juste nouvel an Solaris invité. à Juste invité 2 potes. Dont un qui avait déjà eu le Covid. Il a donné à tout le monde.
Ça s'est arrangé votre histoire de cuisine en fait? Je vais Oui, c'est raconter vrai que vous pouvez ça effondrer. à tout mon public en stream. Bah oui d'ailleurs, mais enfin non, ils le savent déjà. J'ai Ça, j'ai pensé pendant tweeté la le. stream. Bah oui, j'ai tweeté même l'extrait de mon stream où on entend Mais on la le voit placard pas, c'est s'effondrer dommage. quoi. Non, on le voit pas. C'était pas Ouais. de. Ah bah J'étais ça pas aurait dans été la vraiment cuisine. bien. J'étais un étage au-dessus. Ouais, il manque quelque chose quand même, il manque l'image. On a le son mais pas l'image quoi. J'ai posté une photo avec. C'était magnifique. Ouais. Honnêtement, il n'y a pas eu de Ah bol bah sans oui, c'est son. fabuleux quoi. Non, non, mais ils vont tout Bah reconstruire, ils vont tout j'ai vu. refaire en fin janvier. Tout ce Le qu'il y a de cuisiniste décaté. Ouais, ou le le cuisiniste. plaquiste. Ils s'arrangent entre eux. Ah bah oui, ils se démerdent, hein, ouais, c'est sûr, hein, c'est normal. Alors. Quoi Ah, que ça tiens, arrange. pour une fois, je vais pas oublier le changelog. Bien, bien, bien. Pardon. Désolé pour le bruit. Oh, mais t'inquiète pas, on est tous malades de toute façon. Mais ça marche. J'ai quand même lancé les tests unitaires. Normalement, s'il y en a un qui passe, ils passent tous parce que de toute façon, il n'y a pas de système de son. Tout le système de son est désactivé pendant les tests unitaires. Mais tout à fait. Putain, il y a un test qui durait 4 secondes. Ouais, c'est le test des télétransporteurs, normal. Faudrait que je fasse des tests unitaires pour le launcher aussi. Pour le Ah ouais. machin qui cherche les quêtes sur le disque dur, ça serait cool d'avoir un truc qui pète pas à chaque fois. Bon, c'est quand qu'on relie ça à l'API du site alors? Eh ben. Je sais pas. Ça Là, serait je me concentre surtout énorme. sur lui. Ouais, bah ouais. Et j'ai pas encore. Enfin, connecté après. Ouais, du coup, les Une gens, fois si que je vous voulez savoir télécharge de le quoi ils JSON, sont en c'est train bon, de quoi. parler, je vais vous montrer. Ça, quand ce sera automatisé avec le website, ça va être Ouais. juste trop bien. T'as le JSON de façon, le site, le serveur, il. On peut produire du XML ou du JSON, je crois. T'as le Ouais. choix. Après, le JSON, c'est plus sympa, je trouve. Ouais, le JSON, c'est mieux. Ouais. Ah, tu dis Donc voilà, JSON, ça toi. c'est. Là, je suis en train de montrer le vieux launcher, enfin le launcher actuel, mais peu importe que le nouveau ou l'ancien, juste pour expliquer le principe. On peut ajouter des quêtes, donc des fichiers .solarus, depuis le disque, et donc les avoir sur son disponibles dans le launcher. Mais à terme, on voudrait pouvoir les télécharger automatiquement depuis une liste qui est fournie en gros par le site officiel. Et du coup, Donc les mettre à directement, jour. on pourrait les jouer, les télécharger, avoir les mises à jour juste Voilà. depuis le launcher. Comme ça, on n'aura plus qu'à mettre à jour le site pour tout mettre à jour. Ça Ouais. sera terrible. Peux aller sur gitlab.com slash oclero et tu peux montrer un peu à ceux qui regardent. À qui qui regardent. Ouais. De toute façon, nativement, le site il produit du JSON, donc. Ouais. Non mais ça sera pas le plus compliqué. La liste des quêtes. Enfin, je veux Comment? dire la télécharger. Le plus relou là, c'est peaufiner lui, tu vas passer du temps à faire un truc bien propre et. Tu veux que je montre quoi? Solaris Launcher? Ouais, bah juste la maquette que j'ai mise sur le site parce que actuellement le. Ah, putain, hein. Ah oui, le screen là, d'accord, j'ai trouvé. La maquette, ouais. Magnifique. Il est Extraordinaire. là, en troisième là. Bon, pour Ça l'instant, fait vraiment pro. il est au troisième là. Voilà. Ah, c'est le. J'y suis quasiment, hein. Ça se rend. Si avec ça, on devient pas riche. Voilà. C'est sûr que ça fait plus sympa que la sobre fenêtre du launcher. Visuellement, j'y suis. Par contre, ça fonctionne. Tout fonctionne pas, quoi. Mais. Ouais, mais ça va venir, ça. On te fait confiance. Ouais. Il y a juste des bugs à corriger. C'est ça qui On sait est que j'y cool. arriverai.
Le proof of concept fonctionne, quoi. Non, mais c'est toujours comme ça. Le truc concept de base, il fonctionne en 5 minutes et après, t'as 2 ans de debug. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Phoenix, reprendre la question de Phoenix dans le chat, oui, on aura toujours la possibilité d'avoir les quêtes locales. Il y a Local Quest et Online Ouais, Quest c'est ça en Library. fait. Tout à fait. Que tu puisses quand même pas seulement jouer aux quêtes qui sont officiellement sur le site officiel. Sinon, Oui, en fait, on perdrait l'esprit de Solarus. oui. Ouais. Vous C'est ça. pourrez tout faire, le café, tout. Ouais. Ça, on pourra les télécharger et une fois qu'on l'a téléchargé, on aura l'ID de la quête. Il faudrait que les quêtes aient des ID en fait en un point. Genre le nom, faudrait que les noms soient uniques. On peut se baser sur. Faudrait un Après, tu truc vas comme ça. fonctionner pour les trucs en local, ce sera comme une bibliothèque, en fait, c'est ça, local, c'est ça? Ouais. Ouais, un peu comme ce que fait. Désolé pour la comparaison, hein, mais ce que fait Apple avec sa bibliothèque iTunes, quoi. Ouais, non, c'est exactement ça. Ils font une espèce de bibliothèque locale. Il suffit juste de pointer vers la bonne bibliothèque et puis ils retrouvent tout, Ouais. quoi. Ça Encore désolé pour la comparaison, hein. Je sais qu'il y en a va. qui n'aiment pas Apple ici. Je prends très Non, mal. mais je vais finir De par toute façon, acheter des je bosse Apple, moi, avec quand Apple au boulot. Ouais. Je fais tout sur Apple au boulot, donc. Quand je vois leur processeur M1, là, ça fait. Ouais, bah Phoenix, ouais. j'ai pas compris la question. 80-20, je connais. C'est des nombres, je les connais, ouais. Ah oui, la technique des 80, oui. La théorie, la fameuse. La théorie de. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui fait que tu fais 80% des features en 20% du temps, et puis. Ouais, c'est ça. Et puis les Ah, 20% mais de toute restants façon, prennent 80% du temps. ouais. Mais c'est ça pour tous les projets, je crois. Il n'y a pas d'exception à la Ouais, règle, quoi, ouais, en ouais. fait. Exactement. Mais ça rendra bien. Et carrément. Carrément. Ok, bon, bah pour moi la prochaine étape, ce sera de faire la doc de toute cette nouvelle API de son. Bien sûr, Et pas du de coup, courage. c'est juste pour les sons, ça, ou c'est aussi pour les musiques? Ah, les musiques, tu pouvais déjà les. Est-ce que tu pouvais déjà les Ah mettre en oui. pause? Mais tu Enfin. comptes rajouter des nouvelles fonctionnalités sur les musiques? Plus tard. Pas Ouais. pour l'instant. Là, on voulait ça parce que c'était urgent, ça bloquait des gens. Genre pouvoir jouer deux musiques en même temps, tu vois. Ouais, je Pour vois faire ça, des ouais. effets de. Pour faire des effets de profondeur. Si on regarde l'API des sons actuels. Audio. Ah oui, il y a aussi l'histoire du pre-roll sound qui vient des pre-gated. Il faudrait que j'enlève de toutes nos quêtes. Ah ouais, d'accord, putain. C'est chiant ça. Il y en a un Bah paquet. c'est. Non, c'est juste que c'est une fonction qui n'a plus aucun effet parce que maintenant c'est fait tout le temps automatiquement. Mais D'accord. mieux. Donc, Donc les Early to the Doom sons. compris. Ouais, enfin c'est une ligne à enlever. Je sais plus si tu le fais dans Link to the Dream. D'accord. Bah, je te laisse regarder. Ouais, Play Sound par contre, celle-ci elle va pas être deprecated. Mais faudra que je mette à jour la documentation pour dire que c'est équivalent à créer un son et ensuite à le jouer. Après, moi, dans Donc Into là the c'est Doom, l'histoire j'ai d'une tout ligne. centralisé vers l'audio manager, je crois. Que les choses qui sont un peu Tout? centralisées, quoi. Attends, je parie que non. Non, Preload Sound, apparemment, tu l'appelles dans Title Background et dans Introduction.lua. D'ailleurs, Ah bah peut-être. pourquoi il l'a appelé deux fois, je suis pas trop sûr. Mais bon, il faudra enlever ces deux lignes. Mais tout à fait. Ça a poutré. Ah oui, et puis peut-être faire aussi un.
un sound set volume au lieu d'avoir un volume pour les sons global, on pourrait faire facilement un volume ah par oui, sur chaque instance l'instance de son. Ouais. Parce que maintenant on ça va avoir génial. Un beau type son en Lua. Parce que là on a un volume qui a un float statique, mais ça serait très facile. Bah, au niveau du volume, ça vaut aussi pour les musiques, non? Ouais, ouais, pareil. Sur l'instance, parce que je crois qu'actuellement c'est aussi général. Ouais, le volume il est 7 quand on démarre le son. D'ailleurs, il est plus. Si tu joues un son, commence à jouer un son et que tu changes le volume global des sons après, il n'est pas influé, ça influe que sur les prochains. On pourra en profiter pour corriger ce petit désagrément. Bon, tout je sais pas fait. Si je ferai ça tout de suite. C'est quand même moins urgent que de mettre en pause. Ah oui, et oui, il y a quelqu'un qui voulait aussi qu'on fasse des sons. La possibilité d'avoir des sons spécifiques à chaque langue. Un peu comme Par on fait contre, pour il les y a un surfaces. truc que je piche pas là. Les modifications d'API, c'était pas pour plus la version majeure, la prochaine version majeure de Solaris? Ah, je sais Version pas. mineure, 1.7. Tu Ah non, travailles c'est sur pour la 1.7, d'accord. 1.7. Ouais. D'accord. Et qui sort cette année? Normalement oui. Grégoire a fini l'API multiplayer. Donc il faut que je regarde la pull request qui Putain, est gigantesque. Ça va être génial ça. Oh ça va être génial ça. Oh c'est bon, je fais une season win en multijoueur, c'est bon. Il n'est pas fini. Hein. Ouais. Normalement il y a une merge request. Ça c'est la grosse fonctionnalité du coup de la 1.7. Ouais, complètement. Ça va défoncer son slip ça. Mais oui. Ouais ouais, on non, pourra avoir vrai. plusieurs héros sur la même map, plusieurs héros sur différentes maps, contrôlés par plusieurs joueurs. Une, oh, une meilleure API de détection des manettes et des touchpads et tout. Question débile parce que je vois toujours plus loin. Est-ce qu'on pourra avoir deux joueurs sur deux maps différentes? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il a, je il crois avait que même oui, publié je crois que des. Oui. Oui, je sais pas si vous m'entendez, mais sur Twitter, il avait publié des screens ou juste des proof of Ouais. concept où justement il Donc en montre gros, t'as un un écran mec qui est à splitté. l'extérieur et l'autre il est dans une maison, c'est possible quoi. Oui, Oui. et chacun peut J'ai aller vu. sur les maps qu'il veut. Ils jouent chacun dans leur coin. Et quand les deux Oui. se rejoignent sur le même écran, avec t'as vu le petit effet de caméra qu'il avait fait là? Ouais, il a fait ça juste pour montrer ce qu'on pouvait faire, C'est mais. excellent ça. On pourra l'interdire aussi? Ah bah oui. Genre si t'as un joueur qui veut que les deux joueurs soient automatiquement sur toujours sur la même map. Ça dépend des styles de jeu en fait. Ah oui. Bon, après, tu fais un script Bon, il a dû qui faire ça. active ou qui désactive la téléportation, au pire. Tu peux vraiment faire ce que tu Ah oui, veux, ben mais. voilà, ouais. D'accord, tu fais ce que tu veux derrière en lui, ah bah oui. Putain, ça aurait défoncé ça. Du coup, la Ça pull va request elle est énorme. révolutionner nos jeux, ça. Ouais. Ah, bravo. Et c'est quoi les autres grosses features de la 1.7 du coup? Parce que j'ai pas trop suivi moi donc. Bon, c'est ça, c'est le multiplayer et le son. D'accord. Il y aura des modifs sur l'éditeur aussi? Rien d'énorme. Attends, je vais Rien regarder. de fou. Rien de fou. T'auras pas un bouton qui génère un jeu en 24 secondes? On a corrigé, j'ai corrigé le bug du bouton R, de la touche R qui marche pas pour Ah, redimensionner les entités. ça Donc c'est historique ça, c'est franchement. l'essentiel. Ah oui, c'est incroyable, ça fait des années que ça traînait. Rien que pour ça, Qu'on tu n'arrive devrais pas à le le mettre reproduire. arriver à reproduire J'ai fait un dans stream la liste spécial des rien que sur corrections, ça. tu devrais le mettre en premier, quoi. Tu devrais le mettre en Le premier. bug incroyable. Incroyable, incroyable.
C'est la plus grosse. Franchement, je l'aurais laissé, moi, tu vois. Il était avec nous, on s'est habitué, tu vois. Non, merci. Tu lui as proposé la fonctionnalité de pouvoir garder le bug ou pas. Il y aura peut-être aussi les custom grounds dans 1.7 pour répondre à ta question. Ah, Mais ça serait génial aussi, ouais. c'est un peu chaud à Pouvoir faire. faire un On custom verra. sable mouvant ou un truc comme ça, enfin ouais, ce serait génial ça. Ouais. Putain, ouais. Ça, c'est C'est ce qui nous beaucoup trop manquait un de. peu dans A Link to the Dream, on a un peu tout inventé, ouais. Mais c'est bien. J'ai Pu j'aimerais bien lancer des réussir à gros finir trucs. le launcher Tiens, pour la on a 1.7, mais. Mouse Events. Ça me donne envie tout ça de sortir et l'autodome sur 1.7. Oh bah non, c'est pas la peine. On va décaler le projet de 10 ans. Même s'il se décalait pas assez tout seul. C'est clair quoi. Non mais franchement, on voit le bon bout. Je rassure les gens, on n'a jamais été aussi proche de la fin. C'est sûr, ça. Par définition. Non mais tous les ennemis sont quasiment faits. C'est un truc de malade ça. Donc Ouais, d'habitude, c'est ça une c'était entreprise le ça de c'était le 250 personnes qui fait ça, quoi. c'est le plus gros du boulot ça limite hein. Franchement c'est un truc de taré quoi. Il y a beaucoup trop de choses qui sont planifiées pour 1.7 là. Il faudra faire le tri. Pour 1.8 ouais. Qui sortira en 2023 en même temps que Mercury Chest. Plus que 2 ans. La pression monte. Tout à fait. Désolé de vous mettre la pression là, mais ça approche. Le son langage dépendant, non, ça va pas être si méchant que ça, Phoenix. C'est top. Ok, du coup je continuerai une autre fois avec la doc de des sons. Je vais m'arrêter pour le moment, mais il y aura une Ah. nouvelle page dans l'API, il y aura un nouveau type son. Et ça va poutrer. Et puis Ça, ensuite musique par la suite normalement. c'est bien chiant à faire la documentation. Bon, ça va. Ouais, t'aimes bien, Enfin, toi. c'était la première fois qui était chiante quand il a fallu tout écrire. C'est avoir la C'est vrai documentation qu'après, bon, maintenant, ouais, de héros ou je de pense que t'as entity, c'est gros. je pense que maintenant t'as une direction bien précise, donc ça doit aller plus vite, quoi. Le bouclier Phoenix, ouais. Ah ouais, alors le bouclier, celui-là. Putain. Bouclier dans Link to the Dream, c'est un truc J'ai même pas envie d'y compliqué. penser, quoi. Franchement, Maybug, franchement, faut le changer, quoi. Il est tout pourri. C'est clair. Ben, j'avoue que c'est pas trop dans mes compétences, en fait. C'est un peu trop avancé pour moi. Ouais, c'est peut-être Mais pas dans bon. la compétence de celui qui l'a fait à l'origine aussi. Ouais, donc plutôt que de m'embarquer dans un truc qui marchera pas, ouais, ben, on verra quoi. Après, tout ce qui est ennemi, tout ça, je crois que Vlack disait qu'on pouvait garder quand même tout ce qui est fonction, etc. C'est juste la manière de coder, sans coder les fonctions qu'il faut refaire quoi. Ok. Bon bah sur ce, je vais vous laisser. C'était un plaisir, bravo, puis bah on se Pareil, puis revoit de mercredi toute façon, moi prochain. je continue à faire des streams au moins hebdomadaires sur Solarus. Youhou. Moi je propose qu'on se retrouve tous les mercredis soir. Donc les mercredis ou les jeudis, bah ouais, pourquoi pas? Pourquoi plus? Ouais, parce que Vlag me disait que jeudi c'était pas trop possible. Bon, apparemment le mercredi aussi, mais Ouais, je parce sais qu'il est pas. pas très là ce soir, donc mais pourquoi pas, oui. Donc, mais apparemment, ça arrangeait plus de monde le mercredi. Alors, mais moi, je m'en fiche totalement tant que c'est prévu à l'avance. Ok. Voilà quoi, je m'arrange moi, je m'adapte. Tiens, dans le chat, au fait, est-ce que quelqu'un veut un sweatshirt Solarus de taille M? À quoi? Un sweatshirt.
Tu le revends combien? Une veste. Ça se négocie, mais c'est pas moi Bon. qui le vends. Ça C'est se qui? négocie, c'est moi qui le vends. Bah, peut-être, ouais, chez moi, pourquoi? Ça dépend. Sinon, moi je le veux bien. J'ai déjà le Non, mais t-shirt, hein. Je sais pas si t'as vu, Olivier. Ouais, et remets un t-shirt, je trouve. Il a l'air d'être plus sympa. T'as vu le cadre qui est derrière moi Ah, aussi? c'est Ah, Phoenix tiens, qui revend son truc là, c'est ça? Phoenix, il dit qu'il est pas de bol, il est XL. Après, si c'est Bah taille ouais. américaine, le L, La ça quatrième, passe, il est hein. intéressant. Bah, Ah non, moi c'est je le montre. M. Ah d'accord, Dans moi le j'ai dit carrefour. L. Tu dis que c'est M Donc, en fait. en C'est fait, vous M avez pour moi. grossi, en fait, c'est ça, vous voulez pas le dire? Oh bah oui, moi j'ai grossi, ouais. Et moi, là, avec le confinement, je suis devenu obèse. Non, pas depuis le confinement, moi c'était avant. Non, mais je fais plus d'apéro, en fait, le vendredi soir avec les collègues, du coup, Attends, je peux le montrer bah, le t-shirt, j'ai un il est peu pris. sur Spreadshirt, logiquement. Mais le rendu en vrai est un peu différent du rendu du site. Ah ouais. Le t-shirt il rend bien. Hein. Ouais, franchement, le t-shirt, j'en suis content, ouais. Et franchement, Sans vouloir Olivier, faire de pub. Olivier, vu la demande, mets ton Switch shirt aux enchères. Je suis Ouais. sûr que tu vas en récolter 100 balles. Classe le Parce que là, t-shirt. tout le monde est intéressé. Ah bah pourquoi pas? Et tu mets aux enchères. Faut savoir faire marcher le commerce. Faut que ça tourne le pognon. Ouais, c'est important ça le Ouais, j'allais pognon. dire. Surtout en ce moment. Venez en discuter sur Discord aussi, il y en a qui sont vraiment intéressés. Ok. Attends, Eh bah mais je vais c'est quand bien. même les montrer. C'est où déjà? C'est dans Je vends. C'est top en tout Non, cas. c'est pas ça. Solaris Lab. Tiens, j'ai commandé Teaser. des stickers gratuits sur Sticker Mule. Je sais pas si vous connaissez. Non, par contre, j'ai Pas pas du tout. osé coller tes stickers que tu m'as envoyés. Bon, Je de toute les façon, on garde. va en refaire un de ces jours. C'était Ouais. intéressant. J'en ai Ah, commandé moi sur Stitch. j'ai collé moi, mon sticker. Je vais le montrer Bah, aussi. ça va, moi je trouve que la qualité est pas trop mal en fait. Il y a Ou pire. sur mon ordi. Ouais, il y a pire. J'étais un peu déçu quand même. En fait, je m'attendais à un truc vraiment bien net, bien propre, et je trouve qu'ils sont un peu flous. Alors que ça. Ouais, un tout petit peu, mais je trouve que franchement, quand tu vois ce que font d'autres personnes, on n'a pas à rougir non plus. Hein. Enfin, voilà. Oui. Bon, on est un tout petit truc. Classe. Boutique tout en bas. On a mis ça. Goodies. Et vous m'entendez toujours? Ouais. Mais tout à fait. Donc voilà, vous avez tous les produits dérivés Solarus. Et Donc voilà. c'est lequel? C'est le sweatshirt à capuche. C'est le bleu ou le noir alors? Alors, c'est le Ah, il y en a bleu. plusieurs. Il est bleu assez clair en fait. Il est plus clair que le bleu qu'on voit. Et c'est celui où c'est marqué Solarus, RPG Game Engine, ou alors c'est juste le logo de Solarus Quest Editor. C'est celui où c'est marqué C'est celui-là alors. Game Engine. Engine. Voilà, il C'est est à droite. ce sweatshirt là, donc en M. Il est à droite. Côté de la tasse, à côté du mug. Ouais, je Mais crois, pas j'ai tout. trouvé. Il doit y avoir un délai avec le stream. Ah, ok, ouais. C'est celui-là. Et il est plus clair que. Elle est plus claire que sur la photo. Ouais, il est plus clair que sur la photo. Ouais. Il est plus clair que. Enfin, il rend pas très bien, je trouve. Pourtant, je l'avais pris. Il rend pas très bien, mais prenez-le dans le chat. Bon, il est Alors, doux, hein, il est super doux. c'était mauvais produit, mais achetez quand même. Il est doux, il est doux. Achetez-le. Achetez-le aux enchères, on va faire des bénéfices. Voilà, ça servira à payer un ordinateur pour Solarus. Je veux du pognon, Pour donnez-moi des appuyer plus sticks. vite. Ok, donc les amis du stream, on va se quitter.
pour l'instant. Je reviendrai demain avec un stream de speedrun probablement. Sauf s'il y a d'autres questions. J'ai compris, Spider-Man. Speedrun. En fait speedrun. Du coup, oh, merci top. À tous, c'était cool. Et à bientôt. Bonne soirée, les enfants. Info. Et c'est tout pour le moment. Allez, salut. Ciao, ciao.